Je m'appelle Gauthier Lenéran, j'ai 26 ans. Ça fait un an que je travaille au chantier. C'est vrai que les chantiers, c'est une image que tous les enfants ont dans la tête. Moi, c'est simple, hein. Je voyais tous les paquebots partir. J'ai fait comme tous les enfants de la région. Je suis allé sur la plage voir les bateaux sortir du port. Et jamais je m'étais dit qu'un jour, je travaillerais là-bas. Donc de participer au projet Harmony of the Sea, c'est une certaine fierté. De part, donc, sa construction qui est gigantesque, mais pas aussi l'image qu'elle donne de Saint-Nazaire. Je m'appelle Philippe Martin, j'ai 54 ans et je suis au chantier depuis 91. J'ai commencé, j'étais traceur, j'ai eu quelques années où je me suis dit je reste, je pars. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, de travailler pour les gros portiques. Et ben maintenant, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis au service du portique. J'aurais jamais pensé, en fait, que le métier que j'exerce au niveau du portique m'aurait pris autant d'années, m'aurait passionné autant de temps, quoi. Je m'appelle Roger Giannini, j'ai 42 ans, je suis soudeur au chantier de l'Atlantique, STX, sur Saint-Nazaire, depuis bientôt 16 ans maintenant. Ce sont des pièces uniques, il faut le savoir. Parce que les paquebots, on les sort pas en série comme une voiture. Harmony of the Sea, c'est un des bateaux que j'ai construit avec mes collègues. Il y a une forêt, il y a des trucs impressionnants, quoi. Ça continue, ça va être une île flottante même, je dirais. C'est plus un bateau. J'ai 59 ans, je suis rentré au chantier en 88. Chantier CSTX. J'étais chef de projet informatique. Le souvenir du Queen Mary 2, c'est malheureusement l'accident qu'il y a eu lors des visites. Autrement, c'était un beau bateau, mais bon, entaché par ce truc-là, quoi. Bah, à chaque départ de navire, on ressent tous un petit quelque chose, hein, forcément. Et puis, bah, y a quand même une certaine fierté d'avoir fait un truc balèze. Et... Donc, ouais, y a un petit pincement au cœur quand on les voit s'en aller. Je m'appelle David Rivron, j'ai 47 ans. Je travaille au chantier, enfin, STX depuis octobre 2000. Je suis technicien mise en service, technicien essai à bord des navires. Je suis nazérien, c'est la quatrième génération. Énorme, gigantesque. J'ai la chance de travailler seulement au pont 2, de l'avant à l'arrière. Mais quand j'ai des collègues du boulot qui vont au pont 15, pont 18, c'est énorme. On sent avec le nombre de gens qui travaillent à bord en ce moment, parce que là on est vraiment en coactivité maximum. Là, je crois qu'on est 2400 à travailler en même temps. Je m'appelle Noël Roussel. Je travaille au chantier depuis 2007. Je suis soudeuse. Là, je suis contente, limite, de finir sur le gros bateau. Le plus gros du monde. Ça reste quand même une espèce de petite fierté, quand même. Alors, là où je travaille, au panoplan, on est trois. Trois femmes sur, je sais pas moi, une cinquantaine de... Même 60 hommes. Oui, du coup, j'étais adoptée, quoi. Je suis arrivée, je suis tombée dedans. Et puis finalement, ouais, j'ai une espèce d'attachement de ces gens-là. Le monde ouvrier, ce monde-là, je connaissais pas. Hein. J'avais jamais entendu parler. La machine à café, bah, c'était le boire chaud là-bas. Ils ont des mots. Donc, je m'appelle Ameto Morgan. Je suis soudeur depuis maintenant... depuis 6 ans maintenant, exactement. Mon métier, c'est soudeur fil fourré 136, pour rentrer un petit peu dans les détails. Donc c'est de la soudure sur tôle acier de toute épaisseur. Oui, c'est un métier dangereux, bien sûr. Oui. Moi, je me suis vu déjà cracher du sang, je me suis vu prendre un étau sur la tête à 4 mètres de haut, je me suis vu faire des chutes, je me suis vu... il y en a tellement que... Ah, il est quand même assez imposant, hein. C'est quand même le plus gros paquebot au monde, donc obligatoirement, on est quand même... quelque part fier d'avoir travaillé dessus. Oui, c'est un challenge, quelque part, en fait, ça fait bien sur le CV. Je m'appelle Laurent, j'ai 45 ans. Ça fait depuis 2001 que je travaille au chantier, en secteur usinage. On est en début de fabrication de navires.
C'est un travail comme un autre, mais bon, quand on les revoit de temps en temps à la télé, ça fait plaisir.